Ces maillots qui arborent les couleurs tricolores du drapeau congolais sont une réponse du président de cette fédération concernant la modernisation des équipes nationales de football. En prenant la présidence de notre fédération, j'avais annoncé que ma mission était de conduire, avec la collaboration des acteurs du football et des membres du comité exécutif de la Fédération congolaise de football, vers un football mieux organisé. Le quatrième pilier de mes objectifs stratégiques prévoit le développement de partenariats nationaux et internationaux pour assurer le perfectionnement et l'accompagnement de notre équipe nationale et de nos clubs par des appuis financiers, des équipements sportifs et des formations. Appréciant ce partenariat, le directeur de cabinet du ministre des Sports a émis le vœu de voir cette collaboration s'étendre au niveau d'autres fédérations sportives du pays. C'est d'abord merci de ce partenariat qui commence aujourd'hui. Je ne peux que vous promettre une collaboration très sincère et durable. Le ministère des Sports et de l'Éducation physique gère 27 fédérations. Et si vous faites bien, pourquoi ne pas étendre ce partenariat à d'autres fédérations. Cette collaboration avec l'équipe Montier Macron, qui a été entamée en fin d'année 2018, s'est concrétisée à Paris en février 2019 grâce à la signature du partenariat avec la FECOFOOT pour une durée de 3 ans.